c'est parti, gars. Ah, ça fait trop bizarre d'être debout, je jure. Moi, c'est habitué. Toi, t'as habitué. C'est là que tu te mets en mode présentatrice télé. Voilà. Ça, voilà. C'est parti. I know that you with it, that you with it. I'm really tryna feel it. Guess who's back? Oh my god! Guys. Oh, je me trompe pas. J'ai l'impression de rêver, pensez-moi. Pensez-moi. Hey! Hey. Comment allez-vous? Ah, ça va, ça va. Qu'est-ce que ça va? Je suis timide carrément, je suis timide. Regarde ses pieds. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens. On espère que vous allez bien. Bah. TTDL est timide. Bon, aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale. Donc pour cette fin d'année, un Q&A. Ou Sister Tag si vous voulez. J'aime pas si ça se dit encore même. J'aime pas. Bon, on y va. Première question de Samantha. Salut Samantha! Quelles sont les forces et faiblesses des unes et des autres? Love you! Oh! Forces et faiblesses! Ça, c'est une vraie question! Ah ouais! C'est pertinent! De où? Ah chaud! C'est trop bête! Moi, j'entends des réfléchir, ça va dire les bêtises! Jusqu'à ce moment, on se fait retrouver sur la vidéo là! Parce qu'on est trop dissipés! Ouais, c'est vrai! C'est quoi ta faiblesse? Moi, je pense que faiblesse, au tout début, je prenais vraiment les choses beaucoup à cœur sur YouTube. Ouais. Vraiment. Enfin, je n'arrivais pas à mettre une ligne claire entre ce que la personne va commenter pour critiquer et moi, en gros. En fait, tu prenais personnellement. Me protéger en fait de ce qu'une personne va dire. Et moi, j'étais en mode, mais en fait, la personne ne me connaît pas, quand elle parlait comme ça. Et autre faiblesse, je sais pas. On n'a pas des faiblesses, hein. Excusez-nous, madame. Une autre faiblesse, je pense aussi. Je sais pas. Ah, mais c'est un partenaire, je sais pas. Oui. Mais la part, je pense que. Ça, c'est quoi le problème? Oui, je pense fort. Ben voilà, ça aussi, je pense que. Je réfléchis beaucoup. Mais après, je pense que c'est aussi une force, le fait de beaucoup réfléchir. Parce que tu. T'es quand même concentré sur ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, tes actions. Donc c'est 50-50. Chaque chose que tu entreprends, c'est vraiment pour entre guillemets réfléchir. Voilà, c'est réfléchir. Ouais. Mais aussi le fait de trop réfléchir aussi, ça peut m'empêcher parfois de faire certaines choses. Et maintenant, ma force. C'est quoi ta force? Moi je pense que toute ma sensibilité. Ma sensibilité. C'est tellement bizarre de se complimenter comme ça. Enfin, ouais. Je pense que. Ouais, je pense que c'est. Peut-être. Ma joie de vivre. Moi, je me dis que t'as la témérité. Autant, même si je réfléchis, tout ça, mais. Moi, tu es quand même téméraire. Et puis, même quand t'as un but, ou quand quand elle veut quelque chose. Quand tu te. Non, mais quand tu te fixes un truc à faire. Un objectif où tu as mûrement réfléchi dessus, et mais vas-y, tu lâches pas le steak. Donc déterminé, téméraire, petit rayon de soleil, en fin de compte. Voilà. Sinon, tout ça. Moi, comme faiblesse, je suis quelqu'un de. Qui procrastine sa mère. Oh, c'est trop grave. Une procrastinatrice. Pareil. Moi, c'est un level. Waouh! T'as jamais vu, je crois. C'est trop grave. Ouais. Donc, je procrastine énormément. C'est quelque chose, ça commence même carrément à me mettre des bâtons dans les roues professionnellement. Et ça, c'est pas possible en fait. Excusez-moi. En fait, là, j'ai la dernière ligne du dernier. Ouais, en fait, c'est ça. Mais même là, je déteste ça. Ouais, mais c'est avec ça que tu carbures. Non, franchement, le stress me fait perdre mes cheveux. Donc, non, je déteste ça. J'aime pas. J'aime pas être dans le stress, mais pourtant, c'est là où je suis le plus productif. C'est trop grave. Ouais. Donc, et pourtant, j'aime pas ça, l'adrénaline, le stress. Bon, il y a adrénaline et adrénaline. Bon, voilà. Mais l'adrénaline du last minute, je n'aime pas du tout. Mais pourtant, c'est là où j'excelle le mieux. Bon. Force, je dirais, c'est mon empathie. Je suis quelqu'un de vraiment empathique.
secret. Donc je pense ça et je suis drôle aussi dans le film. Ouais, okay. C'est ma force. Et très sociable. Ouais, très sociable. Oui, sociable. Ouais, très sociable. Un peu trop d'ailleurs. Ce qui rejoint l'empathie. Et voilà. La faiblesse, bah, je rejoins déjà Anita. On prend les choses à cœur. Oui, au début, les commentaires, mauvais commentaires, là, ouais, j'étais prêt à la bagarre. À la bagarre, direct. Mais franchement, j'ai fait un travail dessus et enfin, maintenant j'apprends à passer outre, même si c'est dur. Après, je sais pas si c'est une faiblesse aussi, mais genre, je suis trop perfectionniste. Je pense pas que ce soit une faiblesse pour moi. Moi, pour moi, c'est 50-50. Ouais, pareil, ça peut être autant un handicap que une qualité. Parce que tu as des standards et en gros, tu veux que ton travail soit et un certain standing. Donc, en gros, tu fais tout pour que ça soit comme ça. Mais autant tu vas trop te critiquer ou t'auto-critiquer, ou même ça peut être aussi un frein parce qu'en gros tu vas peut-être recommencer à chaque fois et te dire ah, c'est pas comme moi je veux. En fait, tu seras jamais satisfaite. Or que des fois, tout le travail que tu as fourni, peut-être tu vas regarder que le résultat au lieu de regarder tous les petits achats. Et des fois, ça peut être un risque. Et en force, je dirais drôle. Jolie, hein. Pioliens. et quoi d'autre? Je commence à le voir, je le voyais pas avant, mais je deviens de plus en plus empathique. Mais vraiment, genre, à un point extrême, c'est-à-dire que je ressens vraiment les émotions des gens. Donc si, par exemple, quelqu'un vient me voir, je dis un truc tout bête, je suis plus en couple. Ouais. Et je vais commencer à pleurer. Ouais. C'est vrai qu'avant, Devant les trucs tout bêtes, par exemple devant les films, moi je pleure pas. On est d'accord. Mais elle, je vous jure. On est d'accord. Devant des films, des séries, maintenant je peux pleurer. Genre, je pleure, t'es touché plus facilement. Ouais. Mais des trucs bêtes. Ouais. La dernière fois, j'ai regardé Lupin. J'ai pleuré. Non, mais ouais, c'est trop bête. Donc, Moi, je dirais une autre force, c'est. Tu te rends pas compte, mais c'est ton leadership. Ouais. Non, si c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bah, tu vois, t'as. Je vais pleurer. La casquette de capitaine. C'est la seule casquette ici, mais c'est le capitaine. Mais ouais, elle se rend pas compte, mais leadership, quoi. Ouais. Ah, mais merci. Ça fait plaisir. Leadership naturel. Merci. Merci beaucoup. Doucement. Et arrête. Bon. Et va bien. Et toi, va bien. Je dirais en faiblesse, mais aussi en qualité. Genre, j'ai beaucoup d'énergie masculine. Ah oui. Vraiment, genre, je suis... Ah ouais. Je suis bien. Ouais, je suis vraiment... Hey, je suis dure. Wow. Je suis dure et tout. Et, mais genre, je suis très carrée aussi avec les gens que j'aime. Voilà. Il y a un souci, etc. Je préfère qu'on en parle directement. Ouais. Plutôt que ça se tasse ou des trucs comme ça. Si on n'est plus amené à se parler. Au moins, ça, voilà, on ne se parle plus, mais sur des bons termes, on voit tout, on s'est expliqué. T'as pas des choses sur la patate. Voilà, c'est fini. Ouais. Mais ça peut être aussi une faiblesse et tout, parce que bah, peut-être voilà, bah, le manque d'empathie peut-être envers les gens et tout. Après, je pense que t'es empathique, mais comment dire, t'as tes. Comment on appelle ça? Tes limites. Enfin, t'as ton espace. Enfin, je sais pas comment dire. En gros, si c'est. Enfin. Faut pas que la personne, en gros, elle arrive. Genre, tu pourras écouter ses problèmes. Ouais. Mais tant que toi, ça te trigger pas. Ouais. Tu vois. Tant que ça m'affecte pas et tout. Bon, chacun a son seuil d'empathie. Ouais, c'est voilà. Parce qu'il y en a qui sont extrêmement empathiques et d'autres qui le démontrent peut-être un peu moins. Ça veut pas dire qu'ils sont moins empathiques. En fait, t'es empathique pas démonstratif. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es empathique à ton niveau. Et tu aides la personne à ton niveau comme tu peux et tout. Et t'es en mode,
toi tu prends le bullshit qu'une fois. Ça vient pleurer une fois. Ouais. Elle vient pleurer une fois, tu la conseilles, tu lui dis quoi faire. Elle revient la deuxième fois. C'est vrai. La même chose. Parce que tu vas la rembarrer parce que tu seras en mode, je t'ai dit. Ouais, tu vois. En gros, tu protèges. Mais tu vois, sur cette histoire, c'est un peu. C'est un peu dommage parce que, genre, des fois, j'ai des potes qui me disent, bon, bah, je sais déjà ce que tu vas me dire et tout, donc je viens pas, je vais pas t'en parler, tu vois. Genre, ça m'est déjà arrivé, etc. Je suis en mode, bon, vas-y, tu peux m'en parler, mais. Enfin, tu sais déjà. Tu protèges ta paix. Oui, c'est ça. C'est ça. Faiblesse, bah, le fait d'être très introverti. Genre, ça se voit pas, peut-être. Comme on se côtoie, voilà. Mais genre, je suis quelqu'un de très introverti et par exemple, si je me retrouve dans un lieu où déjà de base j'avais pas trop envie et je vois qu'il y a plein de monde, enfin je me sens pas bien, genre, il faut vraiment que je rentre chez moi, que je sois dans ma petite bulle. J'aime être moi toute seule en fait. Et je pense que c'est un petit peu une faiblesse et tout parce que bah, je vais pas m'ouvrir aux gens, vous voyez. Là peut-être avec le travail je le fais un petit peu plus parce que je suis un petit peu obligée, je suis amenée à parler avec des clients, voilà, tout ça. Mais dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui aime rester chez soi. En fait, c'est mon miroir. Oui, c'est vrai. Toi, t'es un peu plus. C'est les grandes sœurs. Ouais, c'est les grandes sœurs. Ouais, je crois. Et les petites sœurs, on est fous. Toi, t'es pas les seules à liberté d'être fous. Toi, c'est que moi, surtout. Je suis fous tout seul. En fait, je suis un petit peu entre les deux. Tu vois. Je suis pas trop fou comme toi. Je la rejoins. Mais je suis un petit peu introvertie aussi. T'es plus folle qu'à l'état. Quoi? Ouais. Genre, pour toi, tu fais vraiment des trucs que même moi, j'aurais même pas osé faire. Vous êtes malade ou quoi? Attends, tu sais! Je suis un peu un 50-50, je suis un petit mélange. Ambivert. Ouais. Mais toi, c'est vraiment, t'es. Waouh! Moi, je suis extravertie, mais j'ai des. Je sais pas comment dire. T'as des périodes de. J'ai des périodes où vraiment ma batterie sociale, elle est tellement à plat. Après, que vraiment, je ne vois personne. Mais il y a des moments où, même quand ma batterie sociale, elle est bien, tu vois, il y a des moments où je suis en mode, putain, il y a beaucoup de monde que je connais pas, genre, je suis pas à l'aise, tu vois. Mais si une personne vient me parler, bah, et que la personne, elle est chill, elle est cool, il n'y a aucun problème. Genre, t'arrives à naviguer, en fait. Ouais, ouais, ça. Mais, Papia, ouais, toi, je sais que c'est cuit. Et toi, ça dépend. Ouais, Anita, ça dépend. Je pense que Jessica, elle est comme moi. Genre, on va se mettre dans un coin et puis on va chercher. Ouais, visage. C'est... Visage fermé. En gros, si tu vois mon visage, il y a écrit, je veux rentrer chez moi. C'est bon. Ouais. Moi, je vais pas. Prochaine question. Qui est la plus attachée au groupe qu'elle écoute? Il faut qu'on dise le groupe et on dit pourquoi on est attachée. Bah, en gros, qui est vraiment la plus attachée au groupe qu'elle stable? Moi, j'ai compris la question. Mais ouais. Ah, qui est la plus stable? Et amie aussi. De quoi? Toi. Sur qui? Avec les BTS. Les BTS à lancer. Ah, on va voir. Souvent, c'est maintenant. On va mettre les pieds là-bas. Là, c'est maintenant. Maintenant, aujourd'hui, elle n'est pas. Moi? Sur quel groupe? Je sais pas. Ah, moi, c'est une stan. Oui, c'est une stan. La chose. Moi aussi. Ouais. Et Tiz. Toi? Et Tiz? Non, toi. Moi? Oui, toi. On est à peu près. Non, pareil. À ce niveau. Non. Au niveau Et Tiz, pour moi, vous êtes tout à fait pareil. Merci. Ah, si. Non. Ah si, tu veux faire genre mais... Non, parce que je sais pas. Tu sais pourquoi? C'est moi, je suis allée à Copenhague. Mais oui. Oui, moi je suis allée à Copenhague. Non, moi je parle pas de ça. Ah, en tout cas, j'ai vu ces bagages, j'ai pas attaché émotionnellement. Non, vraiment quand on dit Stan, ça veut dire genre vraiment. C'est pas que les concerts, mais tout ce qui est en extra derrière. Donc ça veut dire par exemple contenu, c'est pour ça que je viens là. Contenu, des fois j'ai pas envie de regarder. Mais toi vraiment. Mais moi aussi ça m'arrive des fois que je regarde pas. Non. Bah si. Non. Il n'y a pas une expose comme ça en fait. Non, on a des périodes où en mode bah, tu vas pas regarder tout, tu vois, en mode tu regardes... Non, pas tout, voilà. Mais en gros, toi, en fait, tu sais, dès que tu vois un truc bêtise, t'es obligé de cliquer. Ça dépend. Vraiment, ça dépend. Mais je vois ce que tu veux dire. Voilà. En gros, je suis l'actualité. Voilà, voilà. C'est ça. Bon, vas-y, bon. Bon. Tout simplement. Oui, non, okay. Prochaine question. Quelle était votre plus grosse dispute? Entre nous quatre? Nous quatre? Entre... Bah je pense... Bah alors ça c'est entre nous quatre, qu'il n'a jamais eu. Bah oui, on a jamais ouais. Ou même, bah, entre sœurs. Entre sœurs? Bah ça date à mes mains, c'est pas disputé. Hein. Je merci. Bah, je pense que si on se parle plus, c'est pour des bêtises.
Ouais, en fait, nous, on se dispute pas beaucoup. On se dispute. On adore se faire la gueule. On adore se bouder. Mais pour des trucs futiles à bord, genre. En mode, t'as pas refermé le bouchon de la Ouais, bah c'est pareil. Je te fais la gueule. Ouais, voilà. T'as pris ta chaussure. Ouais. T'as pris mon pull. Ouais. T'as taillé le crayon de liner et tout, et t'as laissé ta merde et tout. Oui, on aime trop sur la gueule. Ah, enfin, oui. C'est incroyable. Non, vraiment, ouais. Je pense que c'est toutes les sœurs, elles peuvent relate. Ah, non, ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Des gros sujets, mais c'est vraiment des petits trucs. En gros, c'est soit des accumulations, ou soit c'est des petits trucs comme ça. Et t'en as mais. Genre, aussi, tu répètes trop les choses et ils n'écoutent pas. C'est ça, après c'est chacun son chacun. Ouais, bien sûr. Mais en fait, soit c'est soit ça, ou soit des petits trucs quoi. Ouais, c'est une sorte de merde. Mais j'arrive pas à me rappeler d'une grosse dispute. Enfin, là, je connais aujourd'hui. Genre, je pense que. C'est moins fréquent. On se dispute moins. C'est vraiment l'enfance, adolescence. Surtout l'adolescence. On se cherchait tous. On se jugeait pour savoir qui est la garçon. Jusqu'à moi, depuis longtemps. Je pense que c'était pour des clés. On s'est battu dans le hall. Le temps il presse. La personne, soit elle n'a pas laissé les clés, soit elle a pris les clés, soit elle a... Ah. Non, ça c'est chaud. Les clés. Sinon, des futilités, hein, d'accord. Ouais, futilité. Voilà. Avez-vous toujours été fusionnel? Oui. C'est une question qui nous concerne nos quatre ou deux par deux? Bah si c'est nos quatre. Oui. De par deux aussi, oui. Ouais. Parce qu'on se connaît, ça fait. Plus de 10 ans. On connaît l'une sur l'autre. Ouais. Nos familles se connaissent. On a vu naître les cousins, les soeurs, tout. Genre. C'est une affaire de famille maintenant, donc si on veut quitter là, c'est trop tard. C'est trop tard. Les familles se sont alliées comme ça. On sait qu'ils faisaient avec Kalina. Après, je pense que c'est aussi la différence d'âge aussi, l'écart, qui fait que... Après, je sais pas si c'est ça aussi qui nous rapproche aussi, mais ouais, je pense qu'il y a ça aussi, tu vois. Ouais, et puis je trouve qu'il y a un bon équilibre, comme tu dis, avec l'âge et tout, du coup, il y a deux du même âge. Après, je trouve qu'il n'y a pas trop de différence. Enfin, nos générations sont les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Voilà, c'est ça. Genre, en gros, je sais pas si Anita et Ami, c'était vraiment genre dans les années 2000. Je pense qu'il y aurait vraiment une différence et tout. Mais je pense que le fait qu'on soit tous pratiquement de la même génération et tout. Et puis même, on a beaucoup de points en commun et tout. Pourquoi Ami et Papia ne participent plus aux vidéos? Sinon, je vous aime beaucoup. Je pense que c'est la question tant attendue. La gardienne à la fin, comme ça, vous restez jusqu'à la fin. C'est vrai. Non, je rigole. Non, mais c'est une question qui est beaucoup revenue, je pense, au fil de l'année. Des vidéos qu'on a pu sortir sur la chaîne, enfin que les films ont pu sortir sur la chaîne. Parce que ça fait littéralement un an et un mois. On a arrêté YouTube avec Papia. C'est des raisons personnelles, sans trop rentrer dans les thèmes. Voilà. On vous en donne un petit peu quand même, parce que je sais que vous aimez ça. Ils aiment les thés, ils veulent tout savoir. Ah, mais c'est pas un thé très. On a perdu en gros un proche avec Papia, et c'est quelque chose qui nous a énormément affecté. Et même en fait, de revenir dans la vie de tous les jours, que ce soit avec le travail, avec les potes, mais avec même la famille, ça te change complètement. Et d'être en deuil, c'est quelque chose qui se fait pas comme ça.
C'est un travail de longue haleine. et des fois, un an, enfin, quelques mois, ça suffit pas. Quelques années même, ça suffit pas. Et en fait, on avait besoin de se recentrer sur nous. Et en fait, YouTube, ça ne rentrait absolument pas dans l'équation parce que en fait, c'était trop. Déjà, de devoir se gérer, gérer le taf, gérer la famille, les potes. Enfin, plus YouTube, c'était impossible. En tout cas, voilà. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre une longue pause. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait d'annonce, on n'a pas fait de vidéo ou quoi, mais c'était juste trop au-dessus de nos forces, genre vraiment on ne pouvait pas. Et malgré le fait que tout au long de l'année, enfin on voyait les vidéos que les filles sortaient, d'ailleurs merci de ne pas avoir lâché la chaîne, d'être restée pour les filles, pour nous-mêmes, puis notre petite famille de Salami Mucho. Donc merci à vous, et même voilà, le fait de voir les filles tourner, sortir des vidéos, sortir du contenu. Déjà merci d'avoir continué à faire vivre la chaîne déjà. Et ça nous manquait, mais on n'avait juste pas la force en fait de revenir. Genre vraiment, pour moi 2023, enfin fin 2022 et cette année 2023, ce qui devait primer, genre c'était vraiment ma santé mentale. Et mon bien-être quoi. Enfin vraiment c'était au-dessus de mes forces d'être là devant une caméra, même si ça paraît être un exercice tout bête, tu te poses devant ta caméra, tu parles, il n'y a rien de fou, mais ça a quand même... Faut avoir l'esprit, l'esprit quand même. Ouais. Si tu n'as pas envie de le faire, ton esprit est ailleurs, tu penses à autre chose. C'est ça. Enfin voilà, je pense que tout le monde a plus ou moins déjà dû gérer un deuil dans sa vie. Si ce n'est pas encore fait, je ne vous le souhaite pas en tout cas. Mais en tout cas, c'est compliqué de venir... Surtout le contenu qu'on fait, parce que nous on est là, on rigole, on s'amuse, etc. Même on va être authentique. Donc, c'est ça. Si t'es pas bien dans ta tête, genre vraiment tu peux pas te poser dans la caméra et faire semblant. Ouais. En tout cas, nous, notre identité, c'est impossible. C'est impossible. Puis jamais on ne peut se poser dans la devant la caméra et puis plaire, parce que ça. Non. Voilà. Nous, on n'est pas là pour ça. Ah non, tu vas venir avec ta capuche, tes cheveux dans tous les sens. T'as mis la caméra en mode aujourd'hui, ça va pas. Genre, non. Et attention, on critique pas les gens qui font ça. Chacun fait ce qu'il veut sur YouTube avec ses plateformes. Ma chaîne, je peux parler que pour moi, mais je pense que faire ça, c'est vraiment. Enfin, pour nous, comme pour vous, c'est quand même une marque de respect. Pas respect, mais c'est plus aussi de aussi garder sa vie privée. Bah oui. Et c'est aussi garder aussi quand même, pas mentir, un petit peu sa dignité. Parce que se mettre... Non mais c'est vrai, parce que se mettre à nu... Enfin déjà que nous, on est, vous savez, on est authentique, voilà. Mais il y a vraiment des choses, au bout d'un moment, enfin, tu veux garder quand même ton petit jardin secret. Voilà, tu vas pas tout exposer au monde et vraiment exposer certaines émotions. Comme ça, se mettre à nu, c'est vraiment aussi donner le pouvoir aussi à l'autre personne, aussi de pouvoir t'atteindre, etc. Et puis même, je trouve que c'est quand même malsain de voir ça d'une personne, enfin, je sais pas. Ah, on sait que pour certaines personnes qui nous regardent, c'est un petit moment où vous allez un peu oublier vos problèmes dans la journée. Pas forcément des problèmes de ouf, mais juste, voilà, t'es allé au taf, t'as que eu des clients qui sont relous, ton patron te casse les pieds. Et ben le temps où tu vas rentrer, je sais pas, où tu prends ton métro, le trajet que tu vas faire, tu vas regarder une vidéo et ça va te redonner un peu le sourire, tu vois. Donc on sait que pour certaines personnes, c'est ce que ça apporte. Donc on ne se permettrait pas de venir devant la caméra et rajouter, quoi. Et du coup, est-ce que on va revenir ou bien c'est notre dernière vidéo? Désolée, mais c'est fini. It's over, guys. Non, on rigole. Non, mais bon, voilà. En tout cas, avec Cover, on se sent mieux. Moi, en tout cas, je me sens bien. Je me sens assez bien, en tout cas, pour revenir sur YouTube. Après, bon. Mais je pense que la plus grande question que vous devez sans doute vous poser, c'est quelle sera la suite? Qu'est-ce qu'on va proposer, du coup? L'avenir de la chaîne. L'avenir de la chaîne. Est-ce qu'on va toujours filmer à 4? Voilà. Ou pas? Alors... On commence. Il faut lui poser les bonnes questions. Ouais. Ouais. Voilà. Tu nous fais. Alors, commence. Alors, comme vous le savez, notre ligne éditoriale sont les réactions de K-pop. On grandit, voilà, on vieillit, surtout.
on vieillit. Les projets sont plus les mêmes, les intérêts aussi sont plus les mêmes aussi. Il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de sons que j'ai aimés et tout, comme vous avez pu voir sur les précédentes vidéos. Mais la K-pop, ça, j'ai eu ma dose, vraiment. Je n'en peux plus. Les sons tournent en rond. Il y a trop de groupes qui débutent. Il y en a trop. Et avec les mêmes DA. Il n'y a rien qui change. On est très authentique et tout, quand on fait nos vidéos. Donc je ne vais pas venir tous les jours faire des réactions, à pieds joints, dire que ah, bah, c'est bien et tout. Voilà. Or que j'aime pas. Donc non. Je ne serai plus sur les réactions K-pop. Voilà. Attends, je vais faire une erreur. Pour ceux qui vont peut-être rebondir, mais oui, il y a des idoles qui ont votre âge, qui sont même plus vieux, etc. C'est, je pense que c'est au-delà de ça, c'est vraiment la musique, même l'industrie peut-être. Ça ne veut pas dire que je m'en vais, hein, bien sûr. Ben, j'accompagnerai du coup Anita sur LF, continuera de faire les réactions. Comme vous avez pu le voir, j'avais déjà fait deux vidéos, React and Makeup. Donc, je choisissais un make-up qui me plaisait et puis je le reproduisais devant la caméra. Donc, je pense reprendre cette série et on verra où ça nous mène. Et pour ceux qui veulent nous voir toujours, maintenant nous sommes sur les réactions P-pop. Voilà. Ah oui. Oui, oui. Donc, ça peut être intéressant. Mais sinon, vous me verrez aussi dans les vlogs aussi. Parce qu'on va bientôt tourner des teases. Vous connaissez les teases, je ne les lâche pas. Exo NCT, je lâcherai jamais. Moi, je suis un peu dans la même optique où vraiment la K-pop, ça m'a. C'est vraiment impoli. Enfin, vas-y, t'inquiète pas. Donc, je disais, je suis dans la même optique où vraiment la K-pop, ça m'a fanée. Surtout la nouvelle K-pop. Ça fait trop l'ancienne comme ça, je déteste ça, mais. En vrai, c'est vraiment mon ressenti. Faut qu'on se le dise. Ah, c'est vraiment mon ressenti. La K-pop depuis longtemps. Depuis les mois, presque. Non, mais on était adolescente quand même. On était adolescente. On a grandi quand même avec la K-pop. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. On a vécu avec ça. Plus de 10 ans. C'est fou. C'est fou. Mais vraiment, la K-pop actuelle, elle m'a fallu, j'en peux plus. Donc, vraiment, les MV reactions, moi aussi, pareil. Vous verrez plus ma tronche dessus. Après, peut-être P-pop, parce que. J'ai vu des petits TikTok. T'as vu des TikTok? Ouais, je fais des petits TikTok et tout. T'as vu des TikTok? Je me dis, ok, ça me parle bien, genre. Ouais. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, MV Reaction K-pop, c'est terminé. Pour moi, en tout cas, c'est fini. Et puis même j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour genre avec ce contenu là et je crache pas dessus, c'est un contenu que j'ai adoré faire vraiment, déjà qu'on fasse la 4, c'était trop bien. Tout l'engouement que ça a eu autour de la chaîne, les abonnés aussi que ça a ramé, il faut pas cracher dessus. Et du coup je suis reconnaissante comme ça, mais ce contenu ne me convient plus, il est plus en adéquation avec moi d'aujourd'hui entre guillemets. Et même comme Jess l'a dit, on a grandi. Ah, voilà quoi. Et non pas que. On ne dit pas que ça fait enfantin. Pas du tout. Franchement. Et aussi, si je peux rajouter, parce que je sais que je vous vois venir aussi, vous allez dire, mais la pipop, c'est la même chose, c'est juste que c'est dans une autre langue. Non. Alors là, je vous arrête tout de suite. Parce que. Capitaine! Parce que toi, tellement on connaît ce milieu, tu vois, on sait déjà, on anticipe déjà, on sait déjà. Le K-pop, c'est vraiment. C'est une industrie, c'est un peu plus. Machine, quoi. Vraiment. Tout le temps. Mais il y a des comebacks tous les 4 mois, tous les 6 mois, tous les 3 mois. Oui, tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Et c'est pas un single, c'est des EP, des albums, des albums, tu vois. Alors que, à la différence à la P-pop, les comebacks sont moins fréquents. C'est-à-dire que tu as le temps d'apprécier un peu le son, de découvrir l'artiste et l'univers qu'il a voulu créer autour de son album. C'est moins intense en tout cas. À chaque fois. Même faire une promo correcte, quoi. Mais oui. Ouais, c'est ça. Franchement, moi, je vais pas vous mentir. T'arrives pas à suivre. Il y a des sons, il y a des sons, je sais même pas à quel album ils appartiennent. Tellement c'est. Il y a des albums, je sais pas, ils appartiennent à quel son. Je connais pas tous les sons. Enfin, c'est ça. Et aussi, les groupes filles et garçons font souvent des collabs ensemble. Ah ouais? Oui. C'est comme l'industrie musicale western, quoi. Voilà.
Mais après, la K-pop aussi, ils le faisaient avant. Ouais. Mais regarde, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est la première et jamais de la nation. Ah oui. Eh si, un jour, je sais pas, BTS, je prends BTS parce que c'est le plus conséquent en termes de fanbase. Tu prends BTS qui fait un son avec, je sais pas moi, Blackpink. Il faut voir comment les gens vont. Mais ça va crier en fait. K-pop, MV Reaction et tout, c'est KO. Mais c'est pas pour autant que si à ITZY, je vais pas aller les voir. Ah oui, parce que. Il y en a certains là, je vous vois venir. Vous allez faire un Teddy. Hey, Timmy, ici. Vous allez faire un Teddy. Ah non, franchement, si ITZY, je serais toujours là. Si EXO, ils viennent, mon rêve, je serais là. Et voilà, s'il y a mes artistes que je continue d'écouter aujourd'hui. Et qui correspondent à, au goût que j'ai aujourd'hui et qui vient d'entrer, je ne vais pas me gêner. Et je serai souvent dans les petits blancs. C'est ça. Et aussi, j'aimerais bien peut-être développer un autre contenu sur la chaîne pour ceux qui sont là depuis là. Les vrais, vrais. Les vrais qui sont là depuis. Je pense que vous avez vu, j'avais sorti une vidéo et tout, les enquêtes de Mimi. J'avais fait une enquête, une enquête non. C'est juste que je retraçais l'histoire d'un tueur en série en Corée du Sud. J'avais kiffé de vous faire ce contenu, j'avais trop kiffé. Mais c'est quelque chose qui demande énormément, énormément de travail et de temps. Et ça, c'est un temps que je n'ai plus aujourd'hui. Vraiment, là, dans la France de Macron, que je n'ai plus ce temps-là, ma belle. J'ai besoin de travailler, gagner mon pain. Donc, non, j'ai plus ce temps pour faire ça. Après, peut-être, je ne sais pas, me caler une fois dans l'année. Voilà, mais je ne fais pas de promesses en l'air. Parce que sinon c'est à travers ma veste, je commence à me connaître. Donc non, pas de promesses, mais du coup c'est vrai que c'est un contenu que j'aimerais bien reprendre. Et pourquoi pas exploiter d'autres environs, mais tout en restant à graviter autour de la connexion pour que ça reste, entre guillemets, en lien avec l'identité de la chaîne. Quoi. Après, peut-être qu'il y aura des contenus, ça n'a rien à voir avec la Corée du Sud. Je vais juste mettre ma tronche sur YouTube. Wow. Mais en tout cas, peut-être j'en ferai une vidéo où je vous raconte un peu plus les projets que j'ai pour la chaîne. Je ne sais pas encore. Voilà. Du coup, moi, je ne suis pas comme Anita ou Jessica. Je pourrais. Je m'appelle Anita. Ah, Anita. Pardon, parce que je pensais à Anita. Serge. Mais Ami ou Jess qui sont en mode catégorique sur les MV réactions. Enfin moi je pourrais en faire quelques-unes si j'ai le temps. Parce que je fais pas le travail d'un ministre, mais mon travail vraiment, c'est des jours de repos aléatoires, c'est des shifts aléatoires. Et ouais c'est intense. Donc voilà. Du coup si je suis fatiguée, je vais me reposer. Voilà. Et le tout c'est que je pourrais pas être tout le temps là parce que. Le rythme de vidéo des filles, quand elles sont en train de tourner, je suis au travail. Donc, bon, c'est ça. Donc je pourrais pas être là, donc je pourrais être là, par contre je peux. Et si j'ai un projet perso, ouais j'en ai un, mais après le truc c'est que c'est pas relié entre guillemets directement à la Corée. Vas-y quand même. Oui, vas-y, vas-y quand même. Parce que moi je me suis dit, bon, mais c'est pas relié à la Corée, enfin ça sert à rien et tout, parce que. Notre chaîne c'est un petit peu ça, etc. etc. Sauf qu'on n'est pas des Coréennes en fait, genre, donc on va faire notre. Nous sommes de la West Afi. On est West Afi. On est West Afi. Quand on a dit ça, je suis mort. Non, mais c'est vrai, wesh. Ouais, ah, c'est vrai, genre. Oh ciao. Mais donc, West Afi. Genre, pourquoi notre chaîne devrait tourner que autour de la Corée alors que, enfin. On n'y vit pas. On a commencé comme ça, tu vois, mais le truc, c'est que... l'identité de la chaîne. Mais on n'est pas obligé de se concentrer que sur la Corée. On peut aussi voir d'autres environs. Et après, les trucs... Raison. D'autres environs. D'autres environs, ça se dit aussi. D'autres horizons, d'autres horizons. Sur nous, en tout cas. Oui, on peut aller explorer d'autres choses, etc. Elle voulait me mordre, elle croit que j'ai pas eu la fait quoi. Ouais. Mais le truc c'est que je sais pas trop si ça va accrocher avec la chaîne et tout. Mais selon Anita, je dois quand même me lancer. Donc, qui ne t'entraîne à rien. Publie à toi. Voilà. Donc je vais essayer, vous me dites que... Enfin j'attends mon retour et puis voilà. Ah oui, moi je préviens. J'ai fait le make-up, vous regardez pas. Vous allez voir. My God. Non, parce que voilà,
maintenant on est à l'aise entre nous. Je vais vous dire ce qu'elle a dit. Elle a dit, voilà, que si, en gros, là, le make-up, c'est le dernier, la dernière chose qu'elle peut proposer. Ma dernière paille. Sinon, après, c'est bye-bye. Ah ouais, moi, sinon, je reste sur la pipop après. Non, mais c'est vrai. Non, c'est pas... Parce qu'elle a le doigt dehors. Vraiment. Ouais. Doigt sous vous. Non, c'est juste que je suis... La casquette. Faites le tension là. Non, c'est juste que je suis expressif, c'est pour ça. T'as pas envie de t'investir au final, c'est normal. Hein. Entre guillemets, il n'y a pas trop de retour ou quoi. Genre. Même si on se dit dans la vie, c'est bien la persévérance, mais il ne faut pas persévérer dans ce qui ne marche pas. Quoi. Moi, je ne force personne. Moi, je comprends ce que tu as voulu t'arriver. Tu ne veux pas regarder bah, moi aussi. Wow. Mmh. Bah moi aussi. Oh, non mais Claire, tu vas pas trop regarder toi. J'ai pas regardé, bah moi aussi. Non mais voilà, c'est bon. Je préviens. Mmh. Voilà. Vous me retrouvez sur tous les créneaux qui portent. Elle dit tous les créneaux. Après, vous pas te lancer comme ça sur non, mais et puis après. Attends. Tu t'es parce qu'elle, des fois, elle a les yeux plus gros que le ventre. Mmh. Un peu trop. Ouais. Moi, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il y a plein de trucs, et après, s'y retrouve. Mmh. Non, non, mais pour de vrai. Non, mais je... Ouais. Pour vous dire, je reste sur les créneaux. Sur lesquels je suis déjà. Donc, c'est-à-dire, les MV K-pop. Les réactions K-pop, les réactions P-pop, les albums et swimming, les mini-doll, les vlogs. Mini-daily et vlog... Et quand elle fait les MV K-pop là, vous venez pas dans les commentaires, si, fais ça, fais ci. C'est elle, si elle veut faire, elle fait. Si elle veut pas faire, elle fait pas. D'accord. Mais elle va te faire. Elle veut cacher des infos, ouais. Non, parce que bon, voilà. J'ai appelé ma cousine. Parce que. Ah, je pense que c'est bon temps aussi. Oh. Parce que déjà, elle va privilégier déjà les groupes déjà qu'elle écoute réellement dans la. Vraie vie déjà, donc elle suit et ensuite si elle veut découvrir voilà, d'autres, elle le fait, mais c'est son choix, pardon. Et son choix. Hey, mais c'est dur, c'est son choix. Voilà, c'est tout. J'aime bien quand on me défend. En gros, vraiment 2024 sur la chaîne, ce sera vraiment pas détente, mais on sera en mode voilà, nous-mêmes quoi, nous-mêmes, c'est ce qu'on a envie de faire. Voilà, ouais. Si on peut. On peut, si attends, on ça, pas... c'est bizarre, on a toujours été nous-mêmes. Oui, mais en gros, on va pas faire là, y a un changement de contenu, quoi. Mmh. Enfin, ouais. En fonction de... C'est vrai que, quand tu viens de commencer YouTube, genre... On n'a rien dit. Ah, pardon. Quand tu viens de commencer YouTube, t'es beaucoup sur... la vie des gens. Tu veux vraiment satisfaire tout le monde, or que c'est pas possible, en fait. Et ça, c'est quelque chose, vraiment, en 2023... Surtout là, on arrive en 2024, c'est chaos. Ça, c'est terminé, les gars. Non, il y a vraiment. Donc, elle fait... ce qu'elle veut. Voilà. Elle aussi là-bas, elle fait ce qu'elle veut. Mmh. Ici elle aussi, elle fait ce qu'elle veut. Non, parce que moi-même. C'est pour ça que j'ai rajouté pour Anita. Parce que. Enfin, souvent Anita a ce mood-là de vraiment faire plaisir à tout le monde. Mmh. Non, mais il y a telle abonnée qui a demandé ça, elle a demandé ça. Mais est-ce que toi-même, est-ce que ce groupe-là, il t'intéresse? Est-ce que tu as envie de faire la vidéo? Est-ce que tu as le temps? Tu vois? Ouais. Non, mais si j'ai le temps, Et après, les jours, ils passent. Anita, tu fais pas ta vidéo Non, je peux pas. C'est ça le truc, parce qu'il y a le travail, c'est ça. T'as des trucs à prêter. Toujours penser à soi. Et il y a le montage, surtout. La traduction. Voilà. Donc, pense à toi. C'est tout. Oh, c'est mignon ça. That's it. J'aime comment on défend. Donc ouais, franchement maintenant ce sera si vous ne voyez pas pendant des semaines, trois semaines, c'est normal. C'est bon. Là vous pouvez poser toutes questions, vous savez que tout est là. C'est ça. Là on a dit, on a grandi, c'est bon. La dure France de Macron. En fait, c'est surtout le pays où nous vivons, en fait. Voilà, c'est très dur. Ouais, c'est pas la dernière, quoi. Je veux dire, non, je veux pas travailler. Tu vois, je veux YouTube. Je veux que YouTube. Ouais, c'est impossible. La France de Macron, c'est mort. Et surtout, tu travailles. Surtout qu'on a commencé pendant le Covid, donc
tranquille, on était chez nous. On a le temps. On habite côte à côte, tout ça. Il n'y a pas de soucis. Mais là, la veille de 2024, jamais. Never. Et à nos âges avancés, jamais. C'est chaos. Ceux qui lancent quand ils aiment dans YouTube et tout, en mode c'est vraiment ça qu'ils veulent faire. C'est du courage. Franchement, vous avez grave du courage. Parce je que... salue trop courage. Ouais. Parce que c'est un truc que nous, je pense que. Moi, j'aurais jamais les comprenaises de faire ça, je crois. Mais imagine si tu étais dans un pays. Il faut avoir des ressources pour. Tu vois, tu c'est ça. Peut-être 10 à 20, 30 cas. C'est compliqué. C'est obligé d'avoir ta source de revenus stable. Ouais. Parce que YouTube, tu peux pas vivre de YouTube. Aujourd'hui, 2023, enfin bientôt 2024, impossible. En France, en tout cas. Aux États-Unis, peut-être. Voilà. Mais États-Unis, ici, Angleterre. C'est ça. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a avec. En fait, en France, il y a un gros problème. C'est la France le problème. Ouais. Moi, j'aime la France. C'est un truc que. J'aime la France. I love French. Baguettes. Donc, tout ça pour dire. Faut qu'on conclue là. Tout ça pour dire que le contenu en 2020, à partir de 2024 va changer. Voilà. Après, c'est pas des gros changements. C'est, on va dire, comme les filles disaient, ben, en adéquation avec nos vies actuelles, nos intérêts, et c'est tout quoi. Voilà. En tout cas, on espère que vous allez rester avec nous. Ceux qui veulent quitter le bateau, bon. C'était cool. c'est dommage, mais bon, voilà. Enfin, si vous restez, c'est que vous nous aimez bien. Donc, en tout cas, ça me fait plaisir si vous restez. Mais si vous partez, bah, au revoir. C'est pas merci. C'est cool. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, on va se retrouver occasionnellement à 4. Donc, ouais, ça verra. Plus occasionnel, du coup. Là. Oui, occasionnellement. Bon, là, c'est une occasion parce que ça fait un mois. Dans les vlogs, par exemple, si on, je sais pas si on se voit et tout, si on est à la maison, des trucs comme ça. Donc, on va se retrouver peut-être à 4. Voilà. Enfin, chacun va faire ses petits trucs et tout, mais on est toujours. Ouais. Franchement, triompher dans tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie, que ce soit professionnel, dans les études, amicalement, dans l'amour, la santé. Surtout la santé, franchement, on oublie trop, mais la santé, c'est le plus important. Si vous n'avez pas la santé, vous n'avez rien. Tous ceux qui sont malades, là, cette guérison, même, on vous souhaite. C'est vraiment que la guérison, de la réussite, énorme réussite. L'argent. Beaucoup d'argent. Parce qu'on est là, on parle beaucoup, mais en fait, l'argent. Non, on parle pas de la santé. La santé, c'est trop important. Oui, la santé. Sans la santé, je peux pas profiter de tout. Oui, c'est vrai. Mais je peux vraiment l'argent. Mais l'argent. Mais l'argent jusqu'à. Les tu moyens. Peux t'essuyer comme ça. Le poil. Le wali. Le wali. Khalis. Le tout. Cash. Tout. Ah, vraiment, on vous souhaite que le meilleur et que dans tous les projets que vous avez entamés, voilà, comme on a dit, la réussite. Et que vous soyez comblés en 2024. Comblé d'amour, de. Comblé de tout en fait. De la grâce. J'aimerais bien avoir un petit mariage. Mais vas-y, toi. Moi, j'aimerais bien voir. Je veux aller voir pour dire que. Voilà. Je veux. Je veux Je sais pas si vous devez faire ça en 2023. Mais c'est ça. Je l'ai pas fait. L'année prochaine, c'est là. Là, c'est là. Ah, bravo d'avoir passé à la liste 2023 parce que c'était dur. C'est dur. Donc, franchement, félicitations à toi, ma belle. Mon BG. Voilà. Ouais, franchement, bravo. Attendez, fini, non. Bravo à vous. Bonne année. À nous. Oui. En avance, genre par notre chaîne, etc. Et
Bah du coup, enfin surtout que pour l'année, merci pour l'année surtout pour vous. Vous avez grave soutenu et tout. Viens là. J'aime pas ça. C'est un truc de vieux ce que je veux dire. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et c'est un truc de yeuf, c'est un truc de ouf. Et bah nous, enfin, je pense et je trouve que bah, on a choisi genre, vraiment des bonnes copines qui sont la meilleure femme. Ouais, qui sont là avec nous, qui nous soutiennent. C'est ma chance. Oui, ma chance. C'est trop chiante. Donc voilà, enfin, je vous souhaite à tous de trouver des potes vraiment qui vont vous soutenir genre, dans n'importe quel projet, dans n'importe quelle décision, dans n'importe quelle étape de votre vie. Que ce soit genre des moments de joie ou des moments vraiment de tristesse intense et tout. J'espère que vous allez trouver des gens qui, bah, qui seront là pour vous en fait. Et nous, on les a trouvés. Et je suis juste je nous souhaite bonne année, bonne santé et genre vraiment le meilleur. Voilà. On vous c'est aime. Tout. Je vous aime. Oh, je vous aime. Je te salue. Salagrée, tu me vas salagrée. Salagrée dans soleil. Non, non, non. Don't touch me. Elle est trop dure. Don't touch me. Je vais sur ce, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Bah, dites-moi ce que vous avez pensé de nos avis, de nos blablatages, voilà, et de notre décision. Et notre décision aussi. Vous pouvez dire que non, je suis pas d'accord. Je reste. Commentez, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous. Voilà. Là, on a dit hein. Vous regardez en cachant, regarde, vous vous abonnez tout de suite. Voilà. Super. Non, super. Non, n'oubliez pas. N'oubliez pas d'activer la cloche. Vas-y, ah, on est plus qu'un combien. Ah ouais, il faut accorder la violence. Faut... C'est pas grave. Alors, c'est la beauté de c'est ça. C'est l'authenticité. La beauté de retrouvailles. Oh, voilà. That's true, that's true. Tu peux m'activer. C'est ce qui est beau. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, tout en barre d'infos. Et sur ce, on se retrouve à la tête.